Salut tout le monde, ici Sapik et bienvenue dans Splatoon 2. Aujourd'hui, ben, il y a eu une mise à jour, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 nouveaux guns. Et je vais en utiliser un dans cette vidéo qui est le double nettoyeur modifié, le paraanque espion Sorella, le turbo blaster pro chic et le rouleau carbone chic. Bon, ça va être évidemment des nouveaux guns que je vais utiliser une vidéo, mais chaque gun par vidéo, c'est-à-dire cette fois-ci, j'ai l'envie d'essayer le double nettoyeur modifié. Et ce n'est pas tout aussi. Il y a eu une autre, une deux mises à jour en ce moment. Bon, donc l'un des premiers, je vous l'ai montré. Et le deuxième, il y a eu une nouvelle map. Pardon, une nouvelle map. Regardez, une nouvelle map. Comment elle s'appelle cette nouvelle map? C'est-à-dire qu'on a deux choses à aller tester. La nouvelle map est le parc Carapace. En même temps qu'on va aller le tester. Et tester aussi le nouveau gun d'aujourd'hui. Bon. Oh. C'est-à-dire que je lance des bombes splash. Oh. Et mon smash, c'est l'appui d'encre. On va voir. Est-ce qu'il n'y a pas de sauter là? Oh, on est comme. Oh, c'est un parc qui est vraiment nice. Allons visiter. Ça a l'air vraiment d'un labyrinthe pour vrai, là. Hey, c'est vraiment nice. Je pense que ce serait l'une de mes cartes préférées. Vraiment pas essayé pourtant. Hein. Oh, trop cool. On peut aller là si on a besoin d'y aller. Ce serait comme un petit piège. Okay. Pour vrai, là. Je viens de commencer à jouer à Splatoon pour vrai. Là, en ce moment, ça fait à peine. Ben, là, la vidéo a commencé, ça fait 2 minutes. Mais moi, ça fait au moins, je pense, 30 secondes de plus. Mais pas 30 secondes, quelques secondes que j'ai ouvert ma Switch. Et pendant que j'ouvrais la page avant de commencer ma vidéo, j'ai dit je vais aller acheter les nouveaux guns qui sont achetés. J'avais vraiment hâte de vous les présenter et en même temps de vous présenter la nouvelle carte. La nouvelle carte. Et en même temps que la TP, on va aller la tester aussi dans les matchs pro qui est la défense de zone pour l'instant. Moi, on aura déjà un match pro de fait. Donc, on va aller le faire. Ben, on va commencer à quelques games dans les matchs classiques, évidemment. Si j'ai pas le temps de faire de match pro en cette vidéo, mais juste pour le prévenir, je vais quand même continuer à faire mes autres vidéos, disons, avec le parent en question, le rouleau, etc. Disons, après, là, je vais faire une suite, juste après cette vidéo-là. Mais ça serait pas la même journée que je vais publier mes vidéos avec mes nouveaux gars. Bon. Wow, si tout le monde voulait des rouleaux, je pense que le rouleau, c'est le meilleur. Ok, avec le nouveau gun, moi j'ai pris le double nettoyeur chic ou modifié. Quand même, je préfère plus l'ancien évidemment, mais le premier. Et on va l'avoir. Ah, oh non, tu m'as eu l'ami. Ok, oh là là, tu fais la danse squeeze. Bon. Ok, les multimissiles, t'en es. Il arrive. Wow, wow! Ça fait sauter mon Inkling, et même, vous avez plus vu. Ah non, pour vrai, c'est moi qui ai fait sauter mon Squid. Bon, pourvu le prochain, ça serait au moins dans le parc d'acquisition. Pour l'instant, on va l'appeler de même parce que je connais pas par cœur cette map. Et si ça vous intéresse, on pourra jouer ensemble aussi à cache-cache dans cette nouvelle map. Pour vrai, j'ai l'envie de jouer à cache-cache dans Splatoon, non, le mode de jeu dans la nouvelle map qui est sortie. En vrai, oh, c'est peut-être un nouveau gun, mais pour vrai, le cache-cache, j'aimerais bien l'essayer avec vous, évidemment. Ça serait fun de faire quand on s'organise une journée, mais peut-être pas toute une journée longue à jouer à cache-cache, mais juste au moins tester dans le jeu. Mais, dans la nouvelle map évidemment, parce que ça doit être trippant et plus stressant en même temps. Quand même, il tire loin le gun. Ouais, le double nettoyeur. Ok,
Quand même, quand même. Wow! Ça doit être le nouveau gun qui est... Ah, ok, la smash, il y a le... Quelqu'un a eu le smash qui a lancé la... beaucoup de bombes robots. Je pense que c'est avec le rouleau de carbone stick. Oh, merci. Ok. J'ai hâte de tester mes nouveaux guns dans les Bloodfish, la peste, évidemment. Moi, comme prochain festival, je voudrais bien que ça soit comme Trottinette versus Vélo. Il y a quand même du sens. Je trouve que c'est un festival d'été. À part s'ils veulent mettre, disons, Hot Dog versus Hamburger ou un affaire de maïs. Oh. J'ai eu un ennemi. Quoi, personne veut essayer, genre, le para-ange. Moi, ça serait dans une prochaine vidéo, évidemment. Préparez-vous, parce que je pense qu'aujourd'hui même, c'est Mario Tennis Ace qui est sorti. La démo, je pense qu'elle a commencé hier soir. Donc, c'est, ouais, hier soir, le 1er juin, ou peut-être au courant de la journée. Donc, deux derrière moi, j'ai réussi à me cacher. Bon, j'ai réussi à m'enfuir, parce qu'avec le double nettoyeur modifié, ou double nettoyeur chic, on est capable d'aller rouler au plus vite possible pour pas que personne nous voit, pour que nous éclabousse. Bon, première victoire. Oh, première victoire avec un nouveau gun, génial. Bon, ok, là je vais changer de tenue spéciale que j'attendais vraiment à vous présenter. Pas grave si j'ai pas fini d'améliorer mon chandail, ça va être une autre journée. Mais comme que je vous ai dit, j'attendais ce moment-là pour vous le présenter. Donc, on va changer de style. Et dans le Salmon Run, que j'ai pu voir avant de commencer à tourner la vidéo, je vais essayer de le gagner. C'est le chapeau de Papy qui était dans le premier Splatoon quand on faisait le mode histoire. Mais Papy avait un chapeau. Et en même temps, aussi, on le gagnait, ce chapeau-là, rendu au niveau 50. Oh yeah, Bark Carapace. Et là, mais aussi, je vais essayer de le gagner hors vidéo parce que le Sandman Run, j'aime pas vraiment ça de faire en vidéo pour vrai. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous voulez que je continue à faire des vidéos de Rocket League? Juste par curiosité, j'aimerais bien savoir si vous voulez que je fasse du Rocket League encore. Quand même, j'avoue que c'est un très bon jeu aussi. Enfin, puisque ce serait fun de savoir aussi vos commentaires. Sinon, à part si vous voulez que je fasse plus de Minecraft, ça serait peut-être le fun aussi. Que je remplace Minecraft par fait du Minecraft à place du Rocket League, là, si ça vous intéresse. Bon. Essayons de se forcer, même si j'ai le meilleur costume, ce qui serait peut-être pas le costume que je vais garder tout le temps. J'ai tout nettoyé, c'est-à-dire, dans ce tour j'ai enlevé toutes les prises que j'avais, disons toutes les cartes pour les améliorer. Parce que j'avais aucun cercle qui avait, disons, là, beaucoup de vitesse. C'est pour ça que j'ai décidé de tout l'effacer. Et de recommencer. Bon, ok, peut-être que c'est pas le meilleur costume avec la Kling. Peut-être qu'il faudrait que je cache simplement, tes cheveux. Je pense que je vais sûrement faire ça au prochain. Et après cette partie-là. Voyons, c'est ça que je voulais faire. Aïe aïe aïe, quand même, peut-être c'est le costume qui me cache de mon adversaire, mais quand même, j'adore ça, quand même, cette map-là, c'est la meilleure map que j'ai pu tester, une vraie nouvelle map que Nintendo a pensé. Pour vrai, wow! Pour vrai, Monta Maria, c'était une nouvelle map de Splatoon, mais c'est peut-être pas la meilleure map que j'ai pu tester. Je l'aime beaucoup, là, être dans le bateau, mais pour vrai, je pense que cette carte-là, c'est la map spéciale pour jouer à Splatoon, pour vrai, là. Nous l'ont même annoncé lors d'un Nintendo Direct, je pense. Et j'avais vraiment hâte de tester cette carte-là. Et enfin... Dès que j'aurai le chapeau... Du Salmon Run, évidemment que ça va être rendu mon chapeau du jeu.
ça va être jusqu'à les dernières mises à jour de Splatoon auront terminé, je vais peut-être faire un nouveau jeu qui est même. Je vais faire 100% Super Mario Odyssey. Bon, non, peut-être pas 100% Super Mario Odyssey, mais peut-être je vais faire souvent du Mario Tennis Ace, du Zelda Breath of the Wild, ou peut-être Mario Tennis Ace. Wow. Peut-être qu'il suffit là-bas. Hey. Ok, on a... Sure. Ah, on va attendre une autre victoire. Oui, oui. Ah, si, j'ai été lancé ma bombe que je voulais lancer. Je pense que non. On va aller changer l'équipement. Mais les cheveux, évidemment, parce que ça ne fait pas vraiment, je trouve, avec le déguisement. Je sais pas si vous, qu'est-ce que vous en pensez avec les cheveux que j'ai en ce moment. Peut-être qu'il faudrait que je change de personnage. Mais puisque je vous ai déjà présenté à Linking Boy, mais ce serait pour une autre fois. Bon, allons changer simplement les cheveux. Je suis content d'avoir au moins la nouvelle map et de tester au moins les nouveaux guns avec ou contre vous. Et on va prendre cette coupe-là parce qu'on la voit pas, ça va pas la job. Mais on va essayer. Prochaine vidéo, je pense que ça sera, je vais voir. Quelle sera la prochaine, le prochain gun que je vais utiliser. Peut-être que j'aurai mon chapeau aussi de Papy. Si vous vous rappelez pas c'est qui Papy, allez voir dans le premier Splatoon mode histoire, vous allez sûrement le reconnaître. Ou sinon, moi je l'appelle Papy parce que c'était Squid Sister qui disait souvent comme ça, qui disait Papy. Et papy par ci, papy par ça, et puisqu'on va le voir aussi dans les DLC de Splatoon 2 qui est l'Octo and Pension. Alors j'ai quand même vraiment hâte de découvrir les 80 défis pour que je peux au moins gagner deux nouveaux personnages qui est Long Tailing Girl et Long Tailing Boy. J'ai vraiment hâte de au moins avoir de finir tous mes défis. Pour vrai, j'ai tellement le goût de jouer à Splatoon avec un nouveau personnage. Pour vrai, pourquoi un gymnase ancrage? J'aurais bien voulu un autre map pour vrai là. Bon. Au moins toujours en train de tester mon double nettoyeur. Bon, ok, ça sera peut-être pas le costume qui va pour moi. Je pense pas que c'est le costume idéal pour un double nettoyeur pour eux, ou un double ancreur. Je vais peut-être le double voltigeur parce que ce sera le seul gun pour moi qui serait. Peut-être le double ancreur normal. Là, c'est peut-être dur à avant avec le coup. Yay! Ah non, par le snipe, pourtant on n'a pas eu de nouveaux snipes. Essayez aussi les nouveaux guns qui viennent de sortir. Au moins, si vous les aimez, vous pourrez jouer souvent. Si vous les aimez pas, mais au moins, vous avez pu les tester. C'est pour ça que moi, je fais un test. Ceux que j'aime, je vais continuer à les utiliser. Et eux que je n'aime pas, je l'utiliserai plus. À part si ça me tente de l'utiliser de temps en temps. Moi, je pensais qu'il aurait sorti un nouveau push-push. Peut-être pour le prochain mois, ça sera un push-push. Pour vrai, les push-push, il y a juste deux push-push qui sont sortis, ou l'aérogun, ça fait ça comme ça. Il y a juste sorti le push-push premier, mais le push-push. Mais un nouveau gun, un nouveau push-push, ça serait fun. Bon. Ok, on... Oh yeah, j'ai déjà vu quelqu'un. Ok, bon, je suis en train de perdre temps pour l'instant. Really. Bon, pas grave, une défaite au moins avec un nouveau gun, ça fait la job aussi. Vaut mieux s'amuser. Je pense que c'est ça le vrai terme, vaut mieux s'amuser. Wow, il est con. Vous voulez que je remette l'encre? Mmh.
j'ai réussi à crever quelqu'un. Ok, montons, on va monter. Quand même, c'est pas mal, c'est rien à partir. Ici. Voilà. Non! Ah ouais, bouge. Oh, y'a, il fallait juste que je tournais, j'avais juste plus d'angle que ça, y'a, c'est déjà mon affaire. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas rester quelque chose, j'aurais voulu jeter une bombe, mais je n'ai pas eu le temps de lancer ma bombe, Bon, au moins une autre victoire pour cette troisième partie. J'aimerais bien que d'être dans l'autre map, ça serait plus intelligent quand même de jouer dans l'autre map. Moi, je la connais vraiment pas par cœur, je sais que par quelque chose, mais je la connais vraiment pas la map par cœur. Bon, mes prochaines vidéos, je pense que je vais utiliser un autre costume que celui que j'ai, parce que je trouve que ça fait vraiment pas... avec aucune arme. Je l'aime beaucoup pour vrai, cet équipement que j'ai en ce moment. Mais je pense je vais peut-être l'utiliser dans une autre vidéo. Mais peut-être pas la prochaine parce que pour l'instant ça suit pas. On verra bien si vous l'aimez beaucoup cette carte. Ben cette carte-là. Ce déguisement-là. Bon, ah, il y a déjà quelqu'un qui a gagné le chapeau de papy. Ben, j'appelle le chapeau de papy parce que je trouve que c'est vraiment. Ben, c'est peut-être un petit peu rapport comme nom du chapeau. Mais je vais essayer de le gagner et au moins dès que je vais le gagner. Je pourrais vous le dire le vrai nom là. Bon. Pour le statut japonais, c'est Hello Kitty qui sera en finale contre un autre personnage que je ne connais même pas pour vrai. Non, c'est pas quelque chose. Ok, une chance que je fais des roulades pour vrai. Bon, vous allez recouvrir un peu partout. Ok, peut-être prochaine vidéo, je vais tester le rouleau de carbone. Parce que pour vrai, je pense que c'est un bon gun. Sinon, ce serait le gun, l'autre gun que j'ai dans la tête. J'ai vraiment pas le nom. J'ai vraiment pas le vrai surnom. Du nouveau gun qui est sorti, il va sûrement être écrit sur le titre pour le titre évidemment de ma vidéo. Je teste le tatatata comme ça. Je l'aurai écrit en déjà en vidéo, ça va être, quand je l'écris, ça va être très facile. Bon, on va sortir un peu. Comment ça va, c'est vraiment pas mal. Ah, je pensais que j'avais fait le petit. Aïe aïe aïe, si j'avais vu descendre avec quelque chose, j'aurais dû me dépêcher à sortir de son champ de vision. Aïe aïe, on me suit. Arrête de me suivre. Really, c'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon. Bon, vu qu'on gagne, j'aimerais tellement ça gagner encore une fois. Ok. Allons-y. Ok, c'est parti. Non, pas tout de toi. Toi, démarre. Aïe, toi, j'ai dit que t'aimes. Yeah. Aïe, 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 c'est ta lance, ce joueur. Ah, ouais, le dos. Ok, je marche. J'aurais pas dû rester, je pense qu'on m'a vu. Non! Eh ben voyons, pourquoi tout le monde vient me voir? Ils vont faire éclabousser. Mes chers amis. Ok, je vais lancer une bombe pour terminer. Bon, est-ce qu'on a gagné? Ouais. Yes.
Bon, ok, je peux l'avouer que je garderai pas ce déguisement-là pour la prochaine vidéo. À part si je prends un double nettoyeur ou un double encœur, etc. Pour vrai, les gars, ça fait de pas, je trouve. Pour moi, ça fait de pas. Peut-être pour vous, vous aimez ça utiliser ces guns-là. Mais pour moi, je les aime pas avec ce déguisement-là. Ça va être la dernière fois que je vais utiliser ce déguisement-là si je prends le double nettoyeur. Bon, mais je pensais que j'aurais le temps de faire un match pro, mais ce serait dans la prochaine vidéo. Bon, j'espère que ma vidéo vous a plu pour tester le double nettoyeur modifié et de tester la nouvelle map qui est le parc Carapace. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo de Saint-Pic. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. Allez, salut!